Bonjour à tous, merci d'être venus et bonjour aux internautes qui ne manqueront pas de regarder les belles vidéos du collège. Aujourd'hui, nous allons entamer un nouveau cycle de cours pluriannuel sur un nouveau sujet après avoir traité le temps des deux dernières années qui va s'appeler « Prouver les programmes, pourquoi, quand, comment ». Alors c'est un vaste sujet, ce n'est pas mon sujet principal, c'est un sujet que je connais, dans lequel j'ai fait beaucoup d'utilisation, pas vraiment de contribution, mais beaucoup d'utilisation personnelle et dans l'industrie aussi. Et j'ai donc décidé de l'aborder aujourd'hui par une description du paysage. Et c'est un paysage qui est compliqué, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens. C'est un peu comme les langages de programmation, il y a eu beaucoup d'idées, chacun a exploré les siennes, mais c'est encore plus difficile au niveau implémentation que des langages de programmation. Mais c'est un paysage qui tend à se solidifier quand même et qui est assez merveilleux. Et j'ai décidé aussi de changer un certain nombre de choses. J'ai changé la durée des cours, puisque je suis passé à des cours d'une heure et demie. La raison en est simple, hein, sur les cours d'une heure, j'étais un peu tendu au niveau timing, un peu toujours, c'était peut-être un peu dense, et puis on n'avait pas le temps pour les questions. Et on posait des questions après le cours et le séminaire. Là, on va les poser pendant cette heure et demie, je vais garder du temps pour les questions spécifiquement. Alors, je vais être précis, hein. Question, pas monologue. D'accord ? Question. Des questions auxquelles on peut répondre, pas des exposés. Et ensuite, je passerai la parole aujourd'hui à 5h30 à Joseph Sifakis, un des inventeurs d'une des grandes techniques que vous allez voir, et Prix Turing 2007, notre seul Prix Turing français d'ailleurs, et je vais lui passer la parole pour une heure. Donc. Il y aura peut-être des questions après, mais Joseph écoutera aussi des questions que vous posez, et ça peut lui donner des idées pendant son exposé. Bien. Ce n'est pas le premier cours de l'année. Le premier cours a eu lieu à Lyon. Il s'appelle La révolution informatique dans les sciences. Et il est disponible dès maintenant sur le web. Je remercie un certain nombre de gens qui m'ont aidé à se préparer ce cours, et en particulier Jean-Christophe Filiatre et Christine Paulin, et d'autres, et Lionel Rille. Voilà, donc nous allons commencer. Alors l'agenda, je vais commencer par des rappels. Peut-être que tout le monde ne les a pas vus, puis on n'insiste jamais assez sur les bugs, un danger massif de l'informatique. Comment les réduire ? Les méthodes de test. Donc là, on sera un peu dans le génie logiciel traditionnel, c'est-à-dire les méthodes non formelles pour traiter la programmation, mais qui ont évidemment leur intérêt, leur mérite, et qui sont utilisées en grand à travers le monde, et qui ne sont pas incompatibles avec ce qu'on va faire d'autre. Ensuite, on va parler de la naissance de la vérification formelle. Pour moi, l'aspect historique est très important, ici, et vous allez voir que c'est un sujet très ancien, qui a le même âge que l'ordinateur, et qui, en fait, a donné lieu à des papiers complètement fantastiques, qui, quand on les relit 50 ans après, n'ont pas vieilli du tout. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour la science. Ensuite, on étudiera les méthodes de test, assez brièvement, pour comprendre leurs forces et leurs faiblesses. Je me suis un peu trompé là. Et ensuite, les méthodes de vérification formelle. Donc, il y en a 5 principalement qu'on va étudier. Enfin, la troisième est reliée, elle n'est pas directement vérification formelle. Et ensuite, on parlera d'état et perspective. J'ai aussi modifié un peu les cours suivants. Ce n'est pas tout à fait les mêmes titres que dans la fiche initiale. C'est la vie. Vous trouverez les résumés aussi sur le site. Bien. Alors, je voudrais rappeler des choses que j'avais expliquées dans mon premier cours et également dans mon cours 2009-2010 sur les bugs. Je vais le faire rapidement parce que c'est déjà disponible, mais je n'ai jamais trouvé mieux, donc je les reprends un peu tel quel. La première chose, c'est le problème numéro un de l'informatique, c'est ce gouffre qu'il y a entre nous, intelligents, je rappelle, intuition, rigueur et lenteur, et la machine, rapidité, exactitude, stupidité. La machine n'est pas intelligente, il faut comprendre ça quand on parle d'intelligence artificielle en particulier. On peut transférer un bout de notre intelligence dans la machine, mais ce n'est pas la machine qui va être intelligente. J'ai quand même changé un peu le slide, parce que là, c'est Haswell, j'ai suivi la loi de Moore, avant c'était Cordo-Duo, on est en 2007, donc il faut quand même suivre un peu l'avancée de l'informatique. Donc ce gouffre énorme fait que, si on y va au pif, hein, ce qui est employé à très grande échelle dans le monde entier, eh bien, on est dans les ennuis et on va avoir des grands problèmes de maîtrise et c'est ça qui va générer des bugs. Donc ça, on ne l'expliquera jamais assez, cette distance absolument considérable, hein, et elle est là. Elle est là et elle sera toujours là. Voici un article très intéressant, un extrait d'article très intéressant de Maurice Wise en 49, l'inventeur de la microprogrammation et un des constructeurs de l'ordinateur de Manchester, les tout premiers. Quand nous avons commencé à programmer,
Nous avons vu à notre grande surprise que ce n'était pas facile d'avoir à faire des programmes qui marchent, comme on l'avait pensé au début. Il a fallu qu'on invente le debugging. Je peux me rappeler du moment exact de ma vie où j'ai réalisé qu'une grande part de cette vie allait être consacrée à trouver des bugs dans mes propres programmes. Et ça, c'est quelque chose que malheureusement les gens redécouvrent tous les jours. Et c'est un peu triste, il faut lire ça, cette 49, ça n'a pas bougé depuis. Et donc, vous voyez, le sujet n'est pas nouveau. Le premier bug informatique, j'ai déjà montré aussi, ce qu'on appelle le premier bug, c'est le petit papillon de nuit qui s'est coincé dans les rouages, dans un relais de la machine qu'utilisait Grace Hopper, amiral de l'armée américaine, pour implémenter le premier compilateur COBOL. C'était le premier compilateur qui a été implémenté par une femme. Les femmes ne sont pas légion en informatique, on ne le dira jamais assez. Marie-Paul Cani, qui est là, c'est pas privé de le répéter, mais il faut le répéter beaucoup. Donc ce bug s'était coincé. Alors, on appelle ça, je pensais naïvement que c'était ça l'origine du bug, mais non, pas du tout. Le mot bug est très ancien. Thomas Edison, en 1878, écrivait « Ça a été comme ça pour toutes mes inventions. Au début, on a une intuition, puis après, ça fonce. Et après, on a plein de difficultés, les choses résistent. Et c'est là qu'on trouve plein de petits bugs, les petites erreurs et difficultés. Hein. Et il faut des mois de travail intense avant d'arriver à faire un produit commercial. » Donc Edison, c'est bien avant l'informatique. Hélas, d'ailleurs, j'aurais bien aimé le voir travailler en informatique. Mais donc le mot bug est en fait plus ancien que ça, et il est très joli. Et le mot bug en français, je suis désolé, mais il n'a pas le même appel. Alors, j'ai toujours utilisé ce dessin-là, et je le reprends, hein, désolé pour ceux qui l'ont déjà vu, pour expliquer ce que c'est qu'un bug, et pourquoi c'est mauvais. Le fait qu'il y ait des bugs, ce n'est pas gênant, on en fait tous des bugs, mais ils ne sont pas forcément aussi mauvais. Ici, vous avez Manhattan, qui est plein de travaux et de sens unique, et vous avez quelqu'un qui habite là, et puis moi j'habite là, et je veux lui dire de venir chez moi. Et c'est quelqu'un d'à peu près aussi bête qu'un ordinateur, et il ne connaît que le langage machine à trois signes, tout droit, à droite et à gauche. Donc je vais lui décrire ce chemin par exactement un mot, qui ici est tout petit, un programme ça fait des millions d'instructions, hein, un mot tout petit, et s'il le suit, il arrive chez moi sans problème. Et donc ce qu'on va voir immédiatement, c'est que si on fait une erreur n'importe où dans ce programme, il ne se passe pas grand-chose. Il y a juste un virage qui est pris à 90 degrés à un endroit où il ne faut pas. Mais le résultat, c'est que la machine est non seulement stupide, mais avec une conscience professionnelle absolue. Donc elle va au bout des conséquences de la connerie qu'on lui a dit de faire. Mon connerie est exacte. Hein. Et voilà, et elle va n'importe où. Et si on fait une erreur ailleurs, on va dans un autre n'importe où. D'accord ? Donc, la définition que je donne personnellement de l'ordinateur, c'est que c'est un extraordinaire amplificateur d'erreurs. C'est ça, la définition de l'ordinateur. Et qu'il faut arriver à passer entre les erreurs. Et que c'est ça, la difficulté de l'informatique, enfin, de cette partie de l'informatique que je traite. Il y a bien d'autres difficultés en informatique. Bien, on va parler de programmes parallèles. Et là, on était dans les programmes séquentiels, l'imitation de l'homme. On est maintenant dans les programmes parallèles, partout. Et il y a déjà des bugs beaucoup plus difficiles qui se montrent. Donc ici, l'interblocage ou deadlock. Vous voyez, Liz et Laure qui ont chacune un crayon et une règle, qui veulent avoir les deux, et aucune ne veut lâcher le sien. Phénomène absolument classique, et chez les enfants, et dans les ordinateurs. Quand votre ordinateur se congèle, vous pouvez être sûr que c'est ça qui se passe. Plus difficile, Liz et Laure ont réussi à s'entendre, elles se passent le crayon et la règle, mais Manon, qui est trop petite, n'arrive pas à l'attraper. C'est ce qu'on appelle la famine. Manon est en mode famine. La machine travaille, elle n'est pas coincée. Mais il y a un bout de la machine qui est coincé. Et ça, c'est très difficile à détecter. Ce sont des bugs extrêmement sournois. L'analyse de ce type de bug a donné le prix Turing 2014, les 6 hommes portent en particulier, qu'on est un très grand spécialiste, et on en parlera de ça les années suivantes. Il y a aussi des courses. J'avais cité l'exemple, je ne le refais pas ici, mais j'avais cité dans ma leçon inaugurale de 2009 l'exemple des skieurs qui se fâchent à vie parce qu'ils se sont donné rendez-vous au téléski et puis ils vont se tourner autour comme ça. Ça marche très bien dans les ordinateurs, on sait faire ça très bien. Et ça s'est arrêté seulement avec le téléphone portable, ça. Hein. Voilà. Alors, comment est-ce que les gens font pour nourrir les bugs? Il y a beaucoup de bugs dans la nature, donc comment est-ce que les gens font pour en faire autant? Eh bien, la première des lois, c'est que très souvent, les gens ne comprennent pas les spécificités de l'informatique. J'en ai parlé pas mal dans mon premier cours à Lyon. L'informatique, ça travaille avec l'information, et c'est complètement différent de la matière et de l'énergie qu'est-ce qu'on a appris à l'école. À l'école, on apprend la physique de la matière et de l'énergie, et l'information, ça n'a rien à voir avec ça. Les raisonnements ne sont pas les mêmes. Et si on pense comme en mécanique, en informatique, eh ben, on ira à peu près aussi bien que si on pense comme l'informatique en mécanique. C'est-à-dire pas bien loin.
Alors ça conduit souvent à employer des raisonnements qui sont vrais ailleurs, mais pas en informatique. Par exemple, la redondance par simple duplication du système. Ah oui, en mécanique, deux objets n'ont pas forcément les mêmes pannes. On est dans le domaine de la panne aléatoire. En informatique, si on met deux fois le même système et qu'il y a le même bug, eh ben, il va faire deux fois la même chose. Donc c'est ce qui est arrivé avec Ariane 5, par exemple. C'est une des raisons du crash d'Ariane 501, ce qui était que les deux systèmes étaient complètement identiques, le backup et le primaire, et que quand on est passé sur le backup du primaire, ben, le backup était déjà planté, tout étant en état de marche par ailleurs. Mal spécifié, mal documenté, mal maintenir, ça c'est le génie logiciel. Je pense que les gens ont un peu compris en pas mal d'endroits que c'est assez utile, mais pas partout. Ça s'améliore. Alors, les tests, on va être concerné par la vérification, donc limiter les tests à la marche normale. Combien de fois dans des projets j'ai entendu des gens dire « Mais ça, l'utilisateur n'est pas censé le faire. » Alors, voilà une absurdité. L'utilisateur n'est pas sous contrôle. D'accord ? Bon, on va en parler de ça. Les problèmes sont toujours dans les coins. Hein. Et oubliez de vérifier la vérification. Alors, ça, c'est un point essentiel. Qui est critique d'ailleurs dans les systèmes critiques en avionique, vérifier la vérification, c'est la chose numéro un des normes. Pourquoi ? Ben, en mathématiques, quand quelqu'un fait un papier, il va écrire les théorèmes, il va écrire les preuves et il va les vérifier soigneusement. Mais ce n'est pas pour ça qu'on dit qu'elles sont vraies. Il y a des référis, des reviewers qui vont lire ces preuves et puis qu'on va trouver des bugs dedans tout le temps, même 10 ans après, 15 ans après, hein. En mathématiques, c'est moins grave qu'en informatique parce que ça ne veut pas voler les avions. Mais en informatique, c'est pareil. Ce n'est pas parce que quelqu'un a vérifié quelque chose qu'il faut le croire. Il faut aussi vérifier sa vérification. Encore une fois, sur Ariane, une vérification a été faite, elle n'a pas été relue. Si elle avait été relue, ça aurait été trouvé tout de suite. Bien. Le plus grand problème vient probablement des spécifications. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, les spécifications informelles, souvent, c'est fait avec des textes. Les gens ne savent pas forcément quoi écrire. Et puis, on trouve dedans des contradictions ou des incohérences. Du genre, page 12, x est une variable entière positive. Page 33, si x est négatif. Alors, ça, ce n'est pas une contradiction, ce n'est pas une incohérence. C'est juste, ça cache quelque chose d'autre. Hein. C'est comme un train peut en cacher un autre dans les passages à niveau. Là, quand on voit ça, c'est qu'on est sûr qu'il y a un problème beaucoup plus grave. Donc, c'est pour ça qu'il faut vérifier tout aussi. La sous-spécification. Alors, ça, c'est très violent, c'est très fréquent. On ne parle pas du contexte, par exemple. Et alors, j'ai lu dans un programme tout à fait sérieux, industriel, critique, une très belle phrase, en cas de survenue d'alarmes multiples et rapprochées, le logiciel devra réagir en conséquence. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'extrême de la sous-spécification. Vous pouvez voir ça. Il y a des endroits où il n'y a même pas ça de marqué. Vous pouvez voir ça. Donc là, c'est très dangereux, évidemment. Parce que quand on sous-spécifie comme ça, la personne qui va ou les personnes qui vont réaliser le logiciel ou le matériel, eh bien, ils vont y aller au pif. Et ça fera ce que ça fera. Donc ça, c'est très fréquent. Hein. L'automobile a été une grande spécialiste de ça. Ça change. Sur-spécification, c'est aussi dangereux. Donner des milliards de détails inutiles. Alors, j'ai une très, très belle... J'ai gardé soigneusement des documents à l'époque où j'étais expert sur la navette spatiale Hermès. J'étais un peu effrayé parce qu'à ma première réunion, on m'a passé 1,4 kg de documents. Et je me suis dit, voilà, il va falloir que je lise tout ça. J'en ai quand même lu 1,2 kg dans l'avion. Hein, 1,2 kg à lire, ça s'est allé assez vite. Et là, c'était plein de surspécifications, c'est-à-dire il y avait des morceaux entiers de coupé-collé de, par exemple, les détails de l'interface électrique de la roue dentée par laquelle l'opérateur rentrait des chiffres. Mais il y avait aussi des choses comme ce qui est écrit en rouge ici. Donc ça, c'est très dangereux. Bon, ça, c'est du génie logiciel, mais il faut comprendre quand même qu'il va être impossible de faire quoi que ce soit si les spécifications sont incohérentes ou même laides. L'aide suffit, hein. C'est, l'élégance est primordiale. C'est comme dans toutes les sciences et dans tous les arts. Bon, ça, c'est malheureusement pas encore tout à fait compris, parce que les spécifications, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire. Hein. Ça, c'est absolument clair. Bon, alors, si on prend le point de vue opposé, comment est-ce qu'on peut réduire les bugs ? Alors, traditionnellement, la photo que vous trouverez partout, c'est le cycle en V. Donc, le cycle en V, on part du haut, c'est comme ça, on part du haut, ça descend, ça s'appelle waterfall en anglais, la chute d'eau. Donc on va faire l'analyse des besoins, la faisabilité, on descend vers les spécifications. En général, on change d'équipe hein, sur le trajet. On va descendre sur la conception architecturale, conception détaillée, codage, on va remonter sur les tests unitaires, etc. Bon, ça marche plus ou moins, c'est souvent un peu lourd. Et surtout, c'est un gros inconvénient mental, hein, c'est que vous voyez dans le V,
Eh bien, la distance augmente au fur et à mesure qu'on monte dans le V, et ça, ça traduit une réalité sociologique. La distance augmente. Or, ce qui devrait être le plus près, c'est ces deux choses-là, hein, si on y pense. Parce que c'est ça, l'application. Donc, ce cycle, qui est assez universellement utilisé, il a ses avantages, il existe. Quand on ne le fait pas, ça marche encore moins bien. Mais il a un certain nombre de difficultés. Et il y en a d'autres, des difficultés. Premièrement, écrire les spécifications, bon, ça, c'est pas un truc facile. Et comment les gens font ? Ben, ils essayent de faire comme ils peuvent, avec des textes, avec des graphiques, avec des prototypes, avec des langages à eux, avec des langages de type UML, dont vous pouvez trouver un nombre de variantes augmentant exponentiellement avec le temps. Des fois, ça se stabilise quand même. Et qui ne sont pas forcément des simplifieurs. Hein. Il y a des domaines où ça marche. Par exemple, la gestion de données, ça marche bien, mais par exemple, la gestion de systèmes réactifs, dont on va nous parler longuement, Joseph Sifakis, l'informatisation des objets, c'est vraiment pas opérant. Bon, donc ça, c'est une difficulté. Après, les langages de programmation, compilateur, code, donc ça, c'est un peu mieux maîtrisé. Vous allez voir que vous allez avoir des surprises là, dans cet exposé là-dessus. Et puis, tout ce qui reste de génie logiciel fondamental, mais qui est vrai dans tous les projets. C'est pas spécifique à l'informatique, mais on travaille quand même avec de l'immatériel qui est beaucoup plus dur à décrire que du matériel. Bien. Le plus important de tout ça, ça reste la traçabilité. Traçabilité, ça veut dire qu'on doit pouvoir associer tout à tout. Par exemple, de dire, cette ligne de code-là, elle vient de ce besoin-là, elle obéit à cette contrainte-là. Et par exemple, les normes avioniques sont centrées essentiellement là-dessus. Ça, c'est très utile. Ce n'est pas facile à faire non plus, mais ça se fait quand même. Alors, des différents niveaux de vérification, ça, c'est aussi des choses que j'ai montrées. Il y en a plusieurs, et la preuve de programme ne va pas forcément être utile pour tous les niveaux. L'avion, critique certifiée, hein, donc ma question favorite, j'ai déjà posé ici, c'est si vous programmez un avion, est-ce que vous montez dedans, hein, le nombre de gens qui répondent oui est en général un peu faible. La très haute qualité, les choses qui coûtent très cher, les choses qui doivent être développées très vite, comme les circuits par exemple. Je vous rappelle qu'un bel exemple, c'était Nintendo qui a sorti une console de jeu le 15 février au lieu du 15 novembre. C'est complètement pas équivalent au niveau du business. Et puis, alors là, je ne sais pas du tout ce qui se passe dans le médical, et personnellement, ça ne me paraît pas clair du tout, parce que les certifications biologiques pour l'informatique, je ne suis pas du tout sûr que ce soit pertinent, et on est un certain nombre à se poser des questions là-dessus. Bien. Donc, on va quand même travailler beaucoup là-dedans, nous, hein, c'est sûr. Alors, on peut peut-être remplacer le cycle en V par des choses, ça c'est sans prétention, hein, mais par des choses un petit peu plus resserrées. C'est-à-dire que si on pose le problème de façon un petit peu moins administrative, il y a d'un côté nous avec nos idées et notre capacité d'analyse de ces idées, qui n'est pas forcément spécialement grande, et à l'autre bout, vous avez l'implémentation, les circuits, et là, on n'a pas trop de choix. Hein. Il n'y a pas beaucoup de circuits, hein. Il n'y a pas beaucoup de sortes. Et puis les OS. Et en fait, ces choix-là, ils sont souvent imposés par d'autres raisons. Ce n'est pas forcément choisi par ceux qui font le système. Bon. Et alors, on peut peut-être se dire qu'il y a le passage à la spécification qui doit être très près des idées. Il ne doit pas être trop délégué, celui-là. Hein ? Ça va demander un langage et un outillage qu'on n'a pas encore forcément, mais vous allez voir que les méthodes formelles s'en occupent beaucoup. Ensuite, la programmation, qui va demander aussi un langage et un outillage, qui n'est pas forcément le même, qui n'est pas forcément plus simple. Ensuite, l'intégration. Et je n'ai pas mis la vérification là-dedans, hein. L'intégration qui va demander un outillage encore assez différent. Donc ça, l'informatique, ça occupe, ça. Il faut beaucoup de sortes d'outils quand on veut faire des vraies choses, hein. Quand on veut faire des petits protos, j'ai démonstrateurs toute sa vie, non, mais quand on commence à passer aux choses sérieuses, ça occupe. Alors, un des grands nids à bugs, c'est celui-là. C'est le passage des spécifications à la programmation. Et ça, je l'ai vu moi-même dans l'industrie beaucoup, surtout quand on faisait des circuits. Vous avez des architectes de circuits qui font des dessins et qui écrivent des choses. Les circuits, c'est horriblement précis. Hein, c'est les détails des cycles d'horloge et tout ça. Et puis, vous avez des programmeurs qui lisent ça. Et puis, il y a plein de trucs qui manquent, qui ne sont pas clairs sur les frontières, les bouts. Un exemple, c'est le temps extraordinaire qu'il a fallu pour mettre au point USB 3. Parce que la spécification d'USB 3, ben, à personne qui ne l'a vraiment jamais comprise, ils n'ont pas complètement sûr qu'elle a été écrite. Ça s'est amélioré, mais enfin, les gens téléphonaient chez Intel pour savoir qu'est-ce que vous voulez dire par là, etc. Ça, je le sais d'industrie. C'est dur aussi, hein, c'est difficile, hein, faut comprendre. Ça, c'est un nid à bug majeur, et c'est un des nids dont s'occupent certaines méthodes, pas de toutes. Bien, alors ensuite, ce qu'on voudrait faire, c'est vérifier.
Et vérifier, ça va, on va peut-être faire ça par Thébault, beaucoup plus graduellement, en prouvant des espèces d'équivalence ou de raffinement, parce que l'implémentation peut être plus précise que la spécification, ça peut être du raffinement, je garde les mêmes flèches. Et là, on va voir déjà les couleurs que je vais employer dans toutes les années qui suivent. Le rose, hein, violet, là, le bordeaux, si vous voulez, c'est pour le bon vin, c'est pour la vérification, la logique, des choses comme ça. Le travail, hein, les systèmes, la terre, les circuits, les programmes, ça va être marron, c'est terrestre. Hein, et puis, le bleu sera l'autre couleur. J'essaie de ne pas utiliser trop de couleurs, mais je vais essayer d'être consistant sur ces couleurs-là. Donc, adéquation et consistance, ce sont des problèmes de logique, fondamentalement. De logique et de vérification. Ensuite, conformité et complétude, c'est-à-dire, est-ce que adéquation, ça veut dire, par exemple, est-ce que les spécifications ne sont pas autocontradictoires ? Vous allez voir, par exemple, qu'en modèle checking, c'est très important, parce que si vous partez de description des spécifications autocontradictoires, à ce moment-là, tous les programmes sont justes. Donc, les preuves sont faciles à faire. C'est un gros problème. Il y a d'autres choses dont on ne parlera pas, performance et sécurité, qui ne sont pas du rayon de secours, qui sont évidemment essentielles. Alors, donc, ce qu'on peut faire, c'est utiliser de bonnes méthodes de design, en génie logiciel classique, hein, des bons spécifications, des bons langages, des bons débogueurs, s'occuper de l'environnement autant que du programme, rendre tout traçable, faire des revues, tester systématiquement. On va voir que c'est dur de donner un sens à ce mot-là, mais on va tester systématiquement. C'est bien. Et donc, ce que Skour va proposer, enfin, va essayer d'expliquer, c'est pas lui qui le propose, hein, c'est qu'au XXIe siècle, on peut faire autre chose, on peut vérifier formellement. Ça veut dire prouver mathématiquement et non pas avec des arguments très très violents comme font les mathématiques. Quand les mathématiques, Hallès, la conjecture de Kepler a été prouvée par Hallès en août, après 20 ans de boulot. Vous savez que pour ranger les oranges, il faut faire comme tous les épiciers. Ça fait très 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 longtemps qu'on se demandait ça. Ça y est, la preuve est faite. C'est formel et ça veut dire que c'est plus la peine d'essayer de trouver autre chose. C'est même fait en machine, vous allez voir. Bien. Alors, regardons un peu les méthodes de test. Alors, les méthodes de test, on parle avec les tests souvent de couverture. Qu'est-ce que ça couvre, un test ? Alors, par exemple, je prends un bout de code ici, bon, très bien, et puis on va passer des tests et on va regarder la couverture de code, ça veut dire par où on est passé dans le code. Hein ? Alors, avant ça, pardon, la couverture de spécification. Dans les spécifications, il y a marqué quelque chose comme dans le cas A, faire B. Alors là, la traçabilité va être employée pour nous dire ben, A, c'est test 3 et B, c'est inst 3. D'accord, ça, c'est des instruments de traçabilité qui sont vraiment importants à peu près quoi qu'on fasse. Ensuite, la couverture de code, ça consiste à dire qu'est-ce que les tests sont testés ? Est-ce qu'ils sont passés dans le code ? Alors, s'ils sont passés dans tout le code, on est content. Et puis, s'ils ne sont pas passés dans tout le code, un 5 n'a jamais été visité par aucun test. Et là, ce n'est pas simple parce qu'il y a deux cas possibles. Le premier cas, c'est ça n'a pas été testé. Et le deuxième cas, ce n'est pas testable parce que c'est du code mort dans lequel il est impossible de passer. Et ça, les tests ne vous le diront jamais. OK ? Bien. Alors, la couverture de chemin, ça existe aussi, c'est nettement plus difficile. On va regarder un peu quels sont les chemins possibles dans un programme. Donc là, on fait ça. Là, on arrive au test et là, il y a deux cas. Soit on fait le zen, on fait inst 1, soit le test est faux et on va là. Et puis, comme ça, on peut explorer. Vous voyez, si la boucle, si le exp est faux, on va directement à la fin de la boucle. Sinon, on va parcourir l'ensemble des chemins possibles dans le corps de la boucle. Et puis, après de la boucle, on peut revenir là. Et puis, on comprend bien que des chemins, il y en a potentiellement une infinité. Donc, ça va être assez compliqué à tester. Donc, comment est-ce qu'on va savoir quel chemin il faut tester ? Il y a de la pifométrie, ça, c'est sûr. Et puis, il y a de l'espoir aussi. On ne sait pas. On ne sait pas forcément. Alors, par exemple, ici, on va dire, je vais tester ce chemin-là. Voilà un chemin très intéressant qui va jusque-là, qui revient là, parce que c'est un morceau d'algorithme qui m'intéresse, et qui repart de là pour aller là. Donc, si ce chemin est bien testé, si ce chemin a bien été testé, mais tel quel, en continuité, pas par morceau, hein, pas un test par-ci, un test par-là, un seul test qui trace ce chemin en continuité, là, je peux être content. Et par exemple, il se peut qu'un autre chemin qui ressemble à ça, ici, qui commence bien, et puis en fait, ça, il n'y a aucun moyen d'y aller. Ça n'a jamais été testé. Or, ce serait important pour l'algorithme. Vous voyez, on ne peut pas dire ça en général. Et puis, une fois qu'on sait ça, on n'en sait pas plus. Ça ne donne pas beaucoup d'indications sur ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on peut y passer ou pas ? Quel test y passerait, etc. Donc, c'est assez compliqué.
Quelque chose qui est industriel en vrai, qui est dans la norme avionique des hauts 178B, qui s'appelle la couverture de décision, qui va vous montrer le genre de compromis qu'on peut faire. Vous avez si A ou B, alors faire quelque chose, sinon autre chose. Donc on appelle A et B des conditions et A et B des décisions. Du vocabulaire normalisé, je n'ai pas le choix. Il y a quatre cas. A vrai, A vrai, B faux, A faux, B vrai, A faux, B faux. OK ? Bon, si vous avez des grosses conditions, c'est exponentiel. Hein. Donc on se dit, comment est-ce qu'on peut lutter contre l'exponentiel ? Lutter contre l'exponentiel, ça va nous prendre tout notre temps, hein, vous inquiétez pas. C'est exponentiel, donc ce qu'on peut dire, c'est que par exemple, ben, A vrai, B vrai, logiquement, ce n'est pas spécialement intéressant, parce qu'on a déjà le cas A vrai, B faux, et A faux, B vrai, donc on se dit qu'il y a une certaine redondance et qu'on peut virer celui-là. Oui, à une petite condition qu'on va voir. Et cette condition, c'est pour pouvoir réduire le nombre de tests sans perte de valeur, c'est ce qu'on appelle le critère MCDC, qui dit la chose suivante. Chaque condition dans les tests a pris des valeurs vrai-faux au moins une fois, A, B, séparément. Okay ? Chaque décision, donc A ou B, a pris des valeurs vrai-faux au moins une fois. Chaque condition a changé la valeur de la décision à elle toute seule, sans changer les valeurs des autres conditions. C'est-à-dire à B constant, A a pu changer la valeur du résultat. Bon, c'est une cote mal taillée qui est employée universellement dans le domaine, qui a juste un petit défaut, c'est que c'est assez facile à pervertir parce que ce n'est pas robuste algébriquement et qu'en truquant un peu votre programme, vous arrivez très facilement à passer à travers, mais les reviewers sont entraînés à savoir si vous truquez votre programme. Donc, on n'est pas vraiment dans le formel, on est dans l'habileté humaine des deux côtés. Donc, mais ça existe, c'est comme ça, c'est le genre de choses qui est faite en pratique. Alors, tout ça s'effondre glorieusement dans les systèmes parallèles, ceux qui ont été introduits par le modèle checking, essentiellement, par on verra tout à l'heure, et dont va nous parler Joseph, enfin il ne va pas forcément nous parler de ça, mais c'était vraiment l'introduction de ça, c'était complètement un autre domaine que la programmation classique. Vous avez ici des automates qui se parlent, ils sont en parallèle, ils vivent leur vie, sauf que, alors c'est un des modes possibles de synchronisation, quand il y en a un qui fait un truc qui a une étiquette, il faut que tous ceux qui peuvent le faire avec la même étiquette le fassent en même temps. C'est un mode de synchronisation quelconque. Bon, très bien. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Ils sont indépendants, ces automates, sauf pour quelques actions synchrones. Ça se trouve dans les protocoles, ça se trouve partout, ces choses-là. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, si vous essayez de couvrir indépendamment les automates, ce que j'ai vu dans l'industrie, vous n'avez aucune information. Faire tourner chaque automate indépendamment ne dit rien. Si vous essayez de trouver les transitions, vous n'en avez pas forcément non plus. Parce que ce qui compte, ce n'est pas ça, c'est les interactions. Et les interactions, c'est bien plus compliqué que ça. Ce n'est pas local, les interactions, c'est des phénomènes beaucoup plus globaux. Et donc, essayer de faire du test naïf sur les programmes parallèles, c'est l'effondrement. Et les programmes parallèles qui marchent, il y en a beaucoup, beaucoup moins que les programmes séquentiels qui marchent quand ils sont faits à l'arrache, comme on fait beaucoup. Vous regardez les applis de téléphone, vous allez voir le taux de bugs, c'est assez hallucinant. D'ailleurs, j'adore l'application du Monde qui s'est améliorée, mais qui marquait en grand sur l'écran « Le Monde s'est arrêté ». Je trouve que c'était un message d'erreur particulièrement beau. Alors, il y a une autre chose dans le test qui, elle, est très riche, c'est le test aléatoire. Ça, c'est moins connu, sauf dans les endroits où c'est pratiqué en grand. Donc, il y a trois grandes méthodes dans le test aléatoire. La première, c'est de chercher à falsifier les assertions du programme. Les assertions, c'est des petits bouts, on écrit là, X doit être plus grand que Y, on va voir ça après. La deuxième, c'est de chercher à couvrir le code de différentes façons, donc faire de la couverture, mais avec de l'aléatoire. Et la troisième, c'est le test différentiel, comparer différents programmes qui doivent normalement donner le même résultat. Ça vous paraît peut-être bizarre, mais vous allez voir que ça marche vraiment bien. Alors, il y a beaucoup d'outils pour ça. En matériel, c'est la méthode standard. En circuit, c'est la méthode standard, avec des logiciels très puissants qui s'appellent E, système Verilog, etc., qui font les gens des circuits fabriquent des tests aléatoires en grand. C'est à peu près la seule façon connue de tester les téléphones, par exemple. Et vous allez voir, il y a des générateurs de tests automatiques basés sur l'aléatoire. Et puis, vous allez voir le système C-Smith qui est vraiment intéressant. Je vais vous raconter ça en plus fin. Et puis, les modèles checkers aussi, ils sont capables de faire de l'aléatoire. Et on va le voir un petit peu. Alors, le test de compilateur C, c'est quelque chose de très intéressant. Pourquoi ? Parce que C, maintenant, ce n'est pas un langage de programmation. Ça n'a jamais été vraiment un langage de programmation. C'est un assembleur de haut niveau qui a été créé pour une toute petite machine et qui autorise plein de choses normalement illégales en programmation. Il a raison, parce qu'en système, il faut ces choses. Beaucoup de programmes C sont engendrés automatiquement.
Par exemple, les stérèles, ça génère du C, mais à peu près tout le monde génère du C dans à peu près n'importe quoi. C, c'est l'assembleur. Et puis, les bugs de compilateur, évidemment, peuvent avoir des conséquences gravissimes. Alors ça, c'est quelque chose qui inquiète beaucoup les gens en avionique, en spatial, etc. C'est qu'un bug de compilateur, un, ça ne se voit pas, et deux, ça mord vraiment beaucoup. Mais C est un langage très compliqué. Il y a encore des gens qui disent que C est un langage simple, alors là, c'est, il ne doit pas avoir regardé de près. Il est compliqué pour de vraies bonnes raisons. Hein. Il y a des expressions compliquées, par exemple l'arithmétique, la logique, les coercions, les pointeurs arbitraires et tout. On a besoin de ça pour faire du système. C'est compliqué. Tout ce qu'on fait avec les champs de bits, etc., c'est compliqué. Alors, il y a pire. Il y a 191 cas dans la norme C de comportement indéfini des programmes légaux. Il y a 52 cas de comportement non spécifié laissé à l'implémentation. Comme par exemple, quand on écrit A plus B, on ne sait pas dans quel ordre sont calculés A et B, et ça peut changer complètement le résultat. Bon, c'est comme ça. Et puis, évidemment, il y a énormément d'optimisation dans les compilateurs, c'est là-dessus qu'ils se battent. Hein ? Alors voilà, C-Smith, qu'est-ce qu'il fait ? Il engendre aléatoirement des programmes corrects syntaxiquement, corrects sémantiquement, qui vont s'exécuter correctement. Ça, ce n'est pas facile, hein. Donc, génération aléatoire à partir de la grammaire, filtrage par test pour enlever tous ceux qui n'ont pas de sens, ce qu'il faut faire très délicatement. Il va tester des aspects délicats de C, où on se trompe très, très facilement. Un homme, pour contrôler C, c'est un peu difficile. Hein. Et puis, il ne fait pas tout. Mais bon, son idée, c'est de cracher différemment les compilateurs du commerce. Donc, il y a 1 million dans la suite qui a été générée pour le papier, je suppose qu'il y en a plus, il y a 1 million de programmes qui sont engendrés, qui vont du simple au compliqué, qui fait des tas de choses dans tous les sens avec des pointeurs, avec des 1. Voilà. Alors, on va trouver les crashs, ben, il suffit de regarder le crash, hein, le compilateur crash, donc ça se voit, ce n'est pas un problème. On va trouver les erreurs internes, pareil, le compilateur dit « Oh là là, je m'aperçois que je me suis emmêlé les pinceaux » et s'arrête. Ça, c'est un cas favorable, hein. Dans ce cas-là, l'avion vole bien. Et puis sinon, on va comparer les codes générés par 12 compilateurs. GCC et LLVM, qui sont des compilateurs très très utilisés, et qui sont des compilateurs domaine public, des compilateurs commerciaux, et un compilateur dont je parlerai après, CompCert de Xavier Leroy. Alors qu'est-ce qui se passe ? Plusieurs centaines de bugs détectés, surtout dans les phases intermédiaires de la compilation, là où il y a du travail de réarrangement, d'optimisation et ça. Et, grande joie, les compilateurs différents ont des bugs différents. Donc, c'est très bien pour le différentiel, parce qu'en gros, ce que vous faites, c'est que vous n'avez même pas besoin de savoir ce que fait le programme. Il y a 11 compilateurs qui vous donnent le même résultat. Les programmes, on les exécute une fois qu'on les a compilés. Il y a 11 compilateurs qui font pareil, puis un qui n'est pas pareil. Et c'est à peu près toujours comme ça. Donc là, le vote majoritaire fonctionne relativement bien, il suffit de le croire. De toute façon, dans ce cas-là, on envoie le bug à l'auteur du compilateur, et que fait-il ? Eh bien, au début, rien. Pendant longtemps, rien. Je vais vous donner un autre exemple. Un seul survivant, CompCert. Donc le compilateur de Xavier Leroy. Zéro bug. Ah. Alors qu'est-ce que c'est les bugs ? Ben, pour LLVM, par exemple, vous regardez les crashs, suivant les versions de compilateur. Là, on est à 5% de crash du compilateur. Hein. Là, on est à 10% de crash sur GCC 3.0. Puis vous voyez des phénomènes marrants, du genre quand on passe de GCC 3.4 à 4.0, on multiplie par 100 le nombre de crashs. Donc un changement de version majeure de compilateur, ce n'est pas une petite opération. Ce n'est pas forcément surprenant pour les gens qui font des compilateurs, hein, rassurez-vous. Si vous regardez ici les insertions internes qui cassent, eh ben, vous voyez que... alors pourquoi ça baisse à la fin ? Eh bien parce qu'au début, les gens ils faisaient des rapports de bugs avec C-Smith, et puis les gens n'en tenaient absolument pas compte. De toute façon, ce cas-là n'a aucun intérêt. Et puis après, ils ont compris que ça ne leur faisait pas de la bonne publicité, puis ils ont commencé à les corriger. Et vous voyez, ici, les corrections, c'est 4, 21, 13, 26, 22, pour arriver à vraiment très peu à la fin. Donc, c'est le meilleur moyen connu de trouver des bugs dans les compilateurs. Donc ça, c'est intéressant, parce que c'est pas si dur que ça à faire. Bon, c'est malin, hein, faut quand même pas, faut pas improviser, mais c'est pas si dur que ça à faire. Code généré faux, ça, c'est beaucoup plus gênant. Alors, code généré faux, vous tombez quand même pour 2 pour 1000, là, hein. Là, vous tombez à 7 pour 1000. 7 pour 1000 de code généré faux. Code généré faux, là, alors là, c'est l'application qui ne marche pas, ce n'est pas le compilateur. Hein. C'est autre chose. Et puis là, ça baisse énormément. Et à l'heure actuelle, on arrive à des endroits très bas. Mais ils n'ont pas encore tout testé de loin. Donc c'est sérieux.
Pourquoi Combcert a-t-il zéro bug? Et pourquoi est-ce que je le mets en rose et pas en marron? Parce que c'est le premier compilateur prouvé mathématiquement, en machine. D'accord? Ah, ça c'est intéressant. Ça nous dit que peut-être qu'il y a d'autres approches que le test. Alors, d'où est née cette autre approche? Eh bien, je vais d'abord commencer par une petite réflexion bien connue d'Dijkstra, bien après la naissance de ça, qui dit « Le test, ça peut être un excellent moyen de trouver des bugs, mais c'est complètement inadéquat pour montrer qu'il n'y en a pas. » Voilà, ça c'est une phrase très simple, mais dont tirer les conséquences n'est pas évident. Alors, est-ce qu'on peut faire autre chose? La réponse est oui. En voyant la vérification de spécifications et de programmes comme des questions mathématiques à résoudre à l'aide de systèmes informatiques, eux-mêmes prouvés de préférence. Ce qui ne va pas être simple. On dit toujours mais il faut prouver le prouveur. Bien sûr, mais ça, on s'en occupe aussi. C'est quand même beaucoup plus facile de prouver un programme que tous les programmes. D'accord ? Et vous verrez que dans certains cas, c'est même facile de montrer la correction du prouveur. Alors, une question qui est derrière et qui va nous occuper beaucoup, c'est, attention, il faut des mathématiques vraiment formelles. Quand on dit ça, on dit, mais les mathématiques, c'est formel. Non, les mathématiques, c'est social. C'est socialement formel. C'est-à-dire que les mathématiciens savent très bien qu'ils ne peuvent pas écrire des vraies preuves, au sens de Gödel, c'est-à-dire où tous les détails sont vérifiables par une machine. La preuve de Gödel, c'est ça. Tous les détails sont vérifiables automatiquement sans la moindre intelligence. Ce que font les mathématiciens, et ils ont raison, on va voir pourquoi, c'est de faire des preuves qui soient vérifiables par d'autres mathématiciens. D'accord ? C'est-à-dire par de l'intelligence, pas par de la bêtise. C'est pas le même jeu. Pourquoi ils ont raison ? Parce que c'est pas forcément les preuves qui les intéressent, c'est les théorèmes, et c'est de la créativité. Et vous allez voir qu'en avionique, ou en voiture, ou dans tous les systèmes critiques, ou dans les systèmes distribués, l'informatique, ce n'est pas les théorèmes, c'est les preuves. Et on va donner un sens extrêmement précis à ça. Ce qu'on embarque, ce sont les preuves, ce ne sont pas les théorèmes. Et donc, pour nous, prouver, faire des preuves, c'est vraiment essentiel. On va le voir dans le cours dans deux cours, dans 15 jours. Il y a identité vraiment sérieuse entre prouver et calculer. Bien. Alors, l'emporte encore, reprenons une ancienne devise, l'écriture est ce qu'a inventé la nature pour vous montrer combien votre pensée est floue. C'est très intéressant, donc il en a fait deux déclinaisons. Les mathématiques, c'est la façon de la nature de vous montrer combien floue est votre écriture. D'accord ? Et les mathématiques formelles, c'est la même chose par rapport aux mathématiques. Les mathématiques formelles, c'est exactement vous montrer comment, à quel point vos mathématiques sont floues. Alors, c'est totalement normal que ça n'ait pas beaucoup intéressé les mathématiciens, sauf au moment de la théorie des ensembles. Hein, quand Cantor a trouvé son paradoxe et tout, les gens ont commencé à inventer la logique. Russell a essayé de faire des mathématiques vraiment formelles, Whitehead et Frege, bien sûr, et tout ça. Donc, et ça, c'est les ancêtres de ce qu'on va vous raconter, hein, c'est clair. Le premier à en avoir vraiment parlé, Hasard, s'appelle Alan Turing, encore lui, mais ça c'est moins connu, on n'a jamais parlé de ça nulle part, j'ai jamais entendu les gens dire ça. Papier, c'est pas un papier, c'est un projet de papier de 1949, où il écrit ça, pour que l'homme qui teste, pas très féministe, l'homme qui teste n'ait pas une tâche trop difficile, le programmeur, qui est donc pas le même visiblement, doit faire un nombre d'assertions qui peuvent être testées localement et desquelles sort la correction du programme total. Ça, c'est Turing, 1949. Et il donne un exemple. Ça, c'est un programme de factoriel. Il n'y a pas de multiplicateur dans son ordinateur, donc il fait la multiplication en itérant sur des additions. C'est pour ça qu'il y a deux boucles imbriquées. Et puis ça, c'est la factorielle. Et il utilise des notations un tout petit peu floues, mathématiques, genre U' égale U plus V. Ça veut dire le nouvel U' est égal à U plus V, mais on ne sait pas tout à fait quand, donc ça peut poser des petits problèmes. C'est ce qu'on écrirait comme ça maintenant, mais il faut se rappeler que les langages de programmation n'existaient pas, les ordinateurs non plus. Hein, donc... On ne va pas blâmer Turing. De toute façon, ce n'est pas fait de blâmer Turing. Hein. Voilà. Donc, mais il a dit, ce qu'on va faire, c'est mettre des assertions. Voilà les assertions qu'il mettait. Donc, vous voyez qu'on est quand même dans le langage machine. Voilà les mémoires numéro 27 à 31. Ça devait faire pas loin de toute la machine, ça, déjà. Et puis, à tous ces points, voilà les prédicats qui sont vrais. Ça, c'est factoriel. Là. Cette notation bizarre, c'est factoriel.
Et voilà les prédicats, voilà les valeurs des variables et les contraintes qu'il y a entre les valeurs des variables suivant les endroits. Et puis ça, c'est le flow du programme. Donc essentiellement, ce qu'il commence à faire, c'est à transformer le programme, la correction du programme en un problème de logique. Ce qui n'est pas étonnant de la part de Turing, mais il fait ça bien. C'est-à-dire que la méthode qu'il a là, c'est une des grandes méthodes actuelles. Donc là, j'en reparlerai plus en détail la fois prochaine. Et ça m'introduit tout de suite à la méthode des assertions. Donc Turing dit, en gros, il faut mettre des prédicats qui disent, voilà, les assertions. Je les avais montrées dans mon tout premier cours en 2008. Vous prenez le programme un peu plus moderne de factoriel. Alors, je refuse d'écrire i égale à 1. Moi, je sais, i égale à 1, ce n'est pas vrai, parce que i n'est pas égal à 1. Donc j'écris i2 point égale à 1, même quand je prends une syntaxe C, hein, vous me pardonnerez. Je garde égal pour égal. C'est sérieux, égal. Voilà, et on va truffer ce programme d'assertion, de préférence automatiquement, et on va dire ici n est positif, ça on le met à la main, c'est ce qu'on appelle une précondition, c'est la description de l'environnement. Et puis ici on dit r est égal à factorial i, normal, i vaut 0 et r vaut 1, donc c'est vrai. Et puis ici, quand on rentre dans la boucle, r est égal à factorial i moins 1, ça c'est vrai au premier coup. Et puis comme on multiplie r par i, à la fin on trouve r égale i moins 1, et si on fait plus plus dans la boucle, on se retrouve là, donc c'est vrai. Donc voilà, donc on va truffer ça, et là on voit qu'on a trois couleurs. On a la couleur du programme qui est noir et bleu. Pourquoi ? Parce que les variables int devraient être en noir. Voilà, il y a forcément des bugs dans les slides, mais bon, c'est pas... Elles ne sont pas exécutables, c'est pour ça. Fact est bleu, int devrait être noir, n est bleu. Ça, c'est des variables. Mais là, on est dans le marron, là. Plus grand que 0, c'est dans la Terre, c'est terrien, on est dans les entiers. Et puis ça, c'est des prédicats. Donc ça, c'est Bordeaux, c'est couleur du vin. C'est bon à boire, les prédicats. Voilà, donc on a nos prédicats ici. Et on voit que ces couleurs vont tout le temps se mélanger. Donc on parle toujours de plusieurs choses à la fois. On parle des valeurs avec lesquelles on calcule, on parle des variables du programme et on parle de prédicats. Par exemple, plus grand que, le égal, là, c'est le égal, vous voyez, c'est un prédicat sur les entiers, donc il est un peu marron, mais son résultat est violet. Son résultat, c'est une valeur logique. Donc on a changé de monde. OK ? C'est pas la valeur, c'est pas le vrai de C, c'est le vrai de la logique. Bien. Alors là, il y a quelque chose de très important qui s'appelle l'invariant de boucle, qui a été tout de suite compris par Turing, et qui dit que c'est très important. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on s'occupe d'une boucle, ce qu'il faut croire, ce qu'il faut chercher, c'est ce qui ne change pas, c'est pas ce qui change. Donc c'est pas intuitif comme idée. C'est que l'important dans une boucle, c'est ce qui ne change pas. Mais pour un mathématicien, c'est normal, la notion d'invariant en maths, elle est partout. Bien. Ah, il y a un autre truc, c'est de montrer que ce programme termine. Alors ça, on en parlera la fois prochaine. Turing, là, sort de sa poche les ordinaux oméga 2, oméga, etc. C'est très joli. Il avait compris beaucoup de choses, Turing. Alors, les assertions, c'est devenu absolument fondamental dans toute l'informatique. Et même les gens qui ne font pas de preuves en utilisent, parce que ça se vérifie aussi à l'exécution. Hein. Et donc, alors là, il y a eu beaucoup de gens. Alors, quand vous voyez les petites étoiles, là, ça, c'est les prix Turing. Hein. Donc, vous allez voir le nombre extraordinaire de prix Turing qu'a fait la vérification, sujet totalement ignoré du monde jusqu'à une date récente. Mais pas de la science. Hein. Les gens qui faisaient de la vérification étaient connus comme faisant quelque chose de remarquable, mais dans un monde assez petit. Donc Floyd, en 1967, et Orr, un peu plus tard, ont repris des assertions pour montrer comment les transformer vraiment en logique. Et Dijkstra a fait beaucoup aussi là-dessus, avec la notion de précondition minimale, weakest precondition, weakest precondition. On va voir ça la fois prochaine. Et bien sûr, il y a un problème non trivial, c'est les invariants de boucle, comment on les trouve, quelle est la magie des invariants de boucle. Y a les hommes qui sont bons à ça, et puis il y a d'autres systèmes qui savent le faire. Les assertions ont évolué vers des choses qui ont changé le génie logiciel assez profondément, qui s'appellent les contrats. C'est-à-dire, on dit une assertion, c'est bien, c'est local, mais pourquoi ne pas dire que c'est un contrat de travail ? Par exemple, quand on prend un module ou une fonction, le contrat, c'est à telles assertions avant, la précondition, et tu vas vérifier telles assertions après. Et ça, comme ça, Floyd avait déjà compris qu'on pouvait faire la sémantique des langages de programmation rien qu'avec ça. Et Orr, après, a repris ça. C'est-à-dire qu'on pouvait se servir des assertions pour définir la notion même de langage à partir de la notion de logique qui est connue en maths. Bien, alors les langages à contrat, FL de Bertrand Meyer, qui est utilisé dans les systèmes bancaires en particulier, mais dans d'autres endroits aussi. SpecSharp, qui est un langage très intéressant parce qu'il a un prouveur intégré qui est très puissant, qui est fait à Microsoft à la suite d'une longue lignée de langages de ce type-là. KeyGML et le TeamSortBug. Alors, je vous raconte l'histoire du TeamSortBug parce qu'elle est de la semaine dernière. Elle est magnifique.
Team Source, c'est un des tris les plus utilisés au monde. C'est un tri fait par un team, je ne sais plus, j'ai oublié son nom, son prénom c'est Team Sort. C'est un tri très malin, qui trie des très très grandes quantités de données avec très peu de mémoire, et qui est extrêmement optimisé. Alors il existe un tout petit peu, c'est-à-dire c'est le tri standard de Python, de Java et d'Android. Donc déjà, vous comptez le nombre de téléphones Android et le nombre de fois qu'ils sont en train de trier dans la journée, ça va être dur de battre Team Sort au niveau diffusion. Bon, et c'est un truc qui a été bien analysé informellement, il y a des invariants qui ont été écrits à la main et tout. Et puis il y a des gens qui ont essayé de le prouver et qui ne sont pas arrivés avec leur outil Key, qui est quelque chose qui marche sur Java, qui est un mix de model checker et d'assistant de preuve, on verra ça. Ils ont essayé de le prouver et ils n'y sont pas arrivés. Ils n'arrivaient pas à faire la preuve. L'invariant ne passait pas les récurrences et bon. Et puis ils ont regardé de plus près, ils se sont dit, mais si on n'arrive pas à le prouver, ça doit être parce qu'il est buggé. Et donc là, ils ont sorti des bugs. Et violents, hein, des vrais bugs, faciles à trouver, violents. Bon, alors c'est pas très grave parce qu'il ne fait que se crasher. Et un téléphone qui se crache, ça arrive tout le temps, donc c'est pas un problème. Il trie pas faux. Donc ils ont récupéré le bon invariant, ils ont montré qu'il fallait changer un 3 en 4 dans une structure de données critiques, et qu'avec 4, la preuve passe. Et bien pour l'instant, ça n'a pas été corrigé. Ça a été corrigé de façon pifométrique. Les gens pensent que, bon, on verra. C'est assez rigolo. Mais ça, c'est documenté. Vous tapez Team Sort Bug sur Internet, vous avez toute l'histoire. Elle est très belle. La semaine dernière, donc ça, c'est tout neuf. On aime bien quand il y a des crashs comme ça dans le domaine. Bien. Alors, les assertions sont cet avantage de marcher à l'exécution. Et donc, il faut s'arrêter dès qu'un problème est détecté. Sinon, le circuit exécute toute la suite du code qui peut amener à l'autre bout de Manhattan. Hein. Donc, voilà. Jamais oublié ça. Alors, deuxième personnage de grande classe, John McCarthy, 1960 et 1963, le créateur de Lisp, le premier langage de programmation qui ne ressemblait pas aux autres, et de la programmation fonctionnelle, de beaucoup de choses. Et cet article est magique, il faut vraiment le lire, hein, vous avez toute la référence à la fin. Il est certain que l'informatique va devenir une des sciences les plus importantes. Ça, ce n'est pas encore connu de tout le monde, mais ça viendra. C'est parce que c'est la science de comment les machines peuvent être construites pour réaliser nos processus intellectuels. Alors, attention à l'intelligence artificielle, il parlait de ça aussi. Mais, il n'est pas bête, il dit, mais nous savons que tout processus intellectuel qui peut être fait par mécaniquement peut être fait par un ordinateur. Ça, c'est Turing. Il ne parle pas des processus qui ne sont pas faisables par des ordinateurs. Hein. Pour l'instant... avoir des bonnes idées pour faire des tableaux que personne n'a jamais vus, on en est quand même très, très loin. Le mot intelligence artificielle a un drame dedans, c'est qu'intelligence est mis avant artificielle en français. Bon, de plus, les limitations sur ce que nous avons été capables de faire viennent de notre faiblesse comme programmeur, beaucoup plus que des limitations des machines. Ça, c'est encore vrai. Complètement vrai. Nous espérons que ces limitations vont être réduites en développant une théorie mathématique de la programmation. Donc 63. Hein. Alors voilà son programme. Premièrement, un langage de programmation universel. On n'y est pas, on en a plusieurs, c'est bien, mais pour des bonnes raisons. Donc à l'époque, il y avait Algol, Pascal, il avait fait Lisp, mais il disait, bon, finalement, tout ça pour ce qu'on va faire, c'est pareil. Donc on va faire du pseudo-code, bon, on a gardé ça un peu. Une théorie de l'équivalence de programme, ça c'est très original, c'est très différent de ce que fait Turing. Il dit, l'essentiel c'est de montrer que deux choses sont égales. Pourquoi ? Parce que par exemple, vous avez la version non optimisée du code, et vous avez la version optimisée du code, et vous voulez montrer qu'elle calcule la même chose. C'est quelque chose que j'ai énormément fait dans l'industrie. Par exemple, dans les circuits c'est des prises de tête tout le temps. Donc au bout d'un moment, on arrive à un code qui marche, mais qui n'est pas beau. Et là, on se dit, on va le rendre beau, et on a un model checker qui va calculer automatiquement est-ce que ces deux programmes sont équivalents ou pas, et nous donner un contre-exemple sinon. Et donc, on arrive à transformer le code pas beau en code beau, ce qui est extraordinairement important pour les suivants. Hein, n'oubliez pas qu'un code, ça se lit encore plus que ça ne s'écrit. Une représentation symbolique souple des algorithmes, il a inventé la notion de syntaxe abstraite, c'est-à-dire de représenter les programmes par des arbres avec une structure algébrique. Une formalisation des ordinateurs et de leurs calculs, rien n'existait de tout ce que j'ai fait raconter dans mon cours 2009-2010. Un trajet vers une théorie quantitative du calcul, la notion de complexité des calculs n'existait pas. Qu'est-ce qui existait à l'époque ? La théorie de la calculabilité abstraite, qui s'occupait principalement des choses qu'on ne pouvait absolument pas faire.
Ben, c'est normal, ils n'avaient pas d'ordinateur. C'était le bon truc, il fallait s'occuper. Bon, puis après, quand les ordinateurs sont arrivés... D'ailleurs, j'avais plein de copains en France qui faisaient ça. On n'avait pas d'ordinateur en France dans la recherche jusqu'à 84. Théorie des automates, très très bien, trop limitée. Puis à l'époque, ils ne regardaient pas parallèle. Théorie des langages de programmation en enfance, analyse numérique trop spécialisée. Il n'y avait pas grand-chose. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ben, moi, je vais faire mettre quelque chose. Et il a inventé l'idée de travailler avec un outil mathématique assez classique, mais en le transformant bien, qui est la réécriture de termes. Quand on fait des preuves en maths à l'école, on réécrit des formules, on réécrit des formules. Et des fois, on n'a même pas besoin de penser à ce qu'elles veulent dire, on applique des lois de réécriture, l'associativité de la multiplication, etc. Donc c'est ça. Alors regardons sa première preuve. Alors on définit l'addition. Si n par récurrence sur n, si n égale 0, m, sinon, bon, ça se dit sinon, m', ça veut dire m plus 1, plus, donc c'est l'addition qu'on est en train de définir, n moins qui veut dire n moins 1. Je reprends les notations exactement du papier, hein, pour montrer qu'ils n'avaient pas encore des notations super précises, ça il le dit d'ailleurs. Et la multiplication, ça se définit par récurrence à partir de l'addition, et on récure sur n. Bon, très bien. Maintenant, on veut montrer une formule comme ça. M plus N plus 1 est égal à M plus 1 plus N. Ah, comment on fait? On veut le montrer sur ordinateur. L'ordinateur ne pense pas. Hein, ce n'est pas vous, c'est la machine qui va le montrer. Eh bien, on introduit une variable, une fonction intermédiaire ici, qui dit N égale, si N égale 0, alors M' M plus 1, sinon F de, récursive, de F de M plus 1 et de N moins 1 plus 1. D'où elle sort? De son chapeau. Ou bien maintenant de systèmes qui savent trouver ça. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si on met la fonction là, m plus n plus 1, à la place de f, l'équation est satisfaite. C'est trivial. On le reverra la fois prochaine. Si on met cette fonction là, la même équation est satisfaite aussi trivialement. Ah, mais comme il est facile de démontrer que ces deux fonctions s'arrêtent, sont totales, deux fonctions qui satisfont la même équation sont égales. Et donc ça a été le lancement d'une des grandes branches de la vérification, qui est la réécriture de termes. Alors après, c'est parti dans des tas d'autres horizons qu'on verra. Hein. Maintenant, c'est utilisé dans tous les systèmes, en conjonction avec des tas d'autres choses. Mais cette preuve-là est extrêmement intéressante, parce qu'elle est complètement originale. Ce n'est pas le genre de choses qui se faisaient. Bien. Par contre, si vous essayez de montrer que M plus 0 égale M, alors là, c'est plus dur. C'est compliqué, la preuve. Hein. Il faut s'y faire. Il faut rajouter des axiomes, et il y a M. Peano qui a fait le boulot déjà, donc il faut rajouter trois axiomes. Il faut rajouter que M' est différent de 0, que M' moins 1 est égal à M, plus 1 moins 1 est égal à M, et que si M est différent de 0, M moins 1 plus 1 est égal à M aussi. Avec ça, vous arrivez à faire l'épreuve sans penser. Donc, McCarthy, faire l'épreuve sans penser, par de la pure réécriture. Longue descendance. Alors, il a inventé beaucoup de choses. Il a inventé la programmation fonctionnelle récursive. Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, on me disait qu'il ne fallait surtout pas programmer récursif. Je veux dire, le nombre de gens qui ont été pollués par ça, c'est incroyable. La syntaxe abstraite, l'épreuve par réécriture, mécanisable, l'importance du choix des axiomes, ça, on la connaissait en logique, mais là, elle était vraiment factuelle, hein, elle est devenue marron. La difficulté intrinsèque de la terminaison, j'en reparlerai, il en parle longuement. Et il y a beaucoup de successeurs qui sont des vrais systèmes, vraiment utilisés pour faire des vraies choses. Boyer & Moore, qui est devenu ACL2, on verra qu'il sert, par exemple, chez AMD de façon majeure. Maude de Gauguin, Rêve qui a été fait à Nancy, Provérif de Blanchet qui travaille sur les preuves de sécurité les plus actuelles de la sécurité informatique, qui utilisent assez largement ce genre de techniques ou des techniques qui se rapprochent. C'est des vraies choses. Alors ensuite, la sémantique dénotationnelle, donc ça c'est né de Peter Landin en 1966 qui a écrit un papier, toutes les références sont à la fin, merveilleux, qui s'appelle ISWIM, c'est le nom de son langage, If You See What I Mean. Et c'était vraiment la première fois que quelqu'un disait « le meaning, le sens est important, et le langage doit parler du sens ». C'est un papier formidable, il faut vraiment le lire, il est toujours aussi moderne. Bon, Dana Scott a fait le premier modèle du lambda calcul. Lambda calcul, c'est le calcul des fonctions, j'en ai beaucoup parlé en 2009-2010, je ne vais pas répéter ça. Et puis j'ai travaillé personnellement 10 ans là-dessus avec Pierre-Louis Curien pour comprendre, on a fait une théorie des langages séquentiels, ça veut dire quoi être un langage séquentiel. Bon. L'idée est assez simple, c'est de dire que ce qui est embêtant, c'est la non-terminaison des programmes, parce que les programmes ne donnent pas de résultat. Alors on va leur donner un résultat artificiel qu'on appelle bottom, la non-information. Et la non-information, c'est il y a moins d'informations dans la non-information que dans l'information. Donc on va prendre ce qu'on appelle l'ordre d'information.
plus on donne d'informations. Donc voilà l'espace le plus simple, dit espace de Sierpinski, ce qui est un beau nom pour un espace trivial. C'est il y a de l'information ici, il n'y en a pas ici. Okay, les booléens, ben, vrai et faux, n'ont pas la même information. Ils en ont tous les deux plus que pas d'information. Les entiers, ben, c'est exactement la même chose. Ils sont comme ça. Et puis l'ordre d'information, donc ça s'écrit avec un inclus, comme ça, c'est x a moins d'information que y. Bon, très bien. Et puis les fonctions, on va dire, les fonctions faites par les programmes sont croissantes, ça veut dire que plus on donne d'informations à une fonction, plus elle en sort à la sortie. Idée très simple, mais qui va très loin. Et pourquoi ? Parce que ça nous branche sur la théorie des treillis, Scott est un mathématicien, branche sur la théorie des treillis la notion de point fixe, qui est standard en mathématiques, en métrique et en treillis, d'ailleurs c'est pas si différent que ça. Et voilà, et donc factoriel ici, c'est pour ça que je ne veux pas mettre de point égal, factoriel ici va être calculé itérativement et va croître par morceaux, croître, vous voyez, la fonction est définie d'abord en 0, puis en 1, puis en 2, puis en 3, puis là elle est toujours indéfinie, et elle va croître à l'infini comme ça, elle va croître dans l'ordre d'information. Bon, c'est super, et ce qui est très important, c'est que ça c'est égal, le égal est à prendre au sérieux. S'il y a deux choses qui sont à prendre au sérieux dans le domaine, c'est le égal et la fonction identité. Avec ça, on fait beaucoup de choses. Bien. Deux conséquences majeures. Le premier assistant de preuve, le premier système qui fait des preuves assistées, LCF, qui pour moi est quelque chose d'extraordinaire. Je vous expliquerai pourquoi la fois prochaine. C'est ça qui a lancé ma carrière dans l'informatique. Ça a évolué beaucoup et ça a donné par effet de bord une révolution dans les langages de programmation qui est les notions de type bien fait et les langages ML, Haskell, C-Sharp, etc., plein de langages comme ça, qui ont des types mathématiquement beaux, qui correspondent à des théories mathématiques belles, etc., et qui sont très différents des langages comme des types faits à l'arrache. Hein. C'est né complètement de là, on verra pourquoi la fois prochaine. Mais bon, ça n'a pas marché, LCF, parce que manipuler les bottoms de Scott, c'est très séduisant, mais on n'y arrive pas, c'est trop compliqué. Une deuxième chose qui a été créée par Scott, c'est l'interprétation abstraite, pas loin d'ici, à l'École normale supérieure, enfin, ils n'étaient pas à l'École normale supérieure à l'époque, ils étaient à Nancy, à Grenoble. Ah oui, ils étaient à Grenoble, c'est vrai. Oula, ils étaient à Grenoble, après ils sont allés à Metz, après ils sont allés à Lix, et maintenant, après à Normale Sup, et maintenant, maintenant Radia est malheureusement décédé, et Patrick est à Boston. Donc, c'est une théorie générale de l'approximation des données et des preuves par approximation. Alors, ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que, bah, par exemple, quand on veut montrer qu'une division par 0 ne va pas se cracher, hein, x sur y, bah, on n'a pas besoin de connaître la valeur de y, on a juste besoin de savoir que y appartient à un intervalle où il n'y a pas 0. Idée naïve. Une autre façon de le dire, c'est la preuve par 9. Quand on fait de la preuve par 9, quand on fait des multiplications, on fait une abstraction, on va faire de l'opération sur la somme des nombres modulo 9. Et ça suffit à trouver des erreurs, pas toutes les erreurs, mais des erreurs. C'est le principe d'interprétation abstraite. Tester si les tableaux sont hors des bornes, à la compilation, etc. Et ça, c'est devenu un objet industriel à application majeure. C'est né en grand avec un crash, comme d'habitude, celui d'Ariane 5, sur lequel l'interprétation abstraite trouve l'erreur en un temps à peu près négligeable. Bien. Alors, on verra ça la fois prochaine en détail. C'est une des très grandes méthodes, tout à fait industrielles, utilisées par exemple pour des choses très différentes, comme le calcul du temps maximal d'exécution du programme qui fait voler l'Airbus A380. C'est fait avec cette technique-là. Bien. Alors, la vérification par assistant de preuve. Un assistant de preuve, c'est un système qui va nous aider à faire des preuves en logique. On sait que la logique est assez fondamentalement indécidable. La logique un peu compliquée est indécidable. On sait qu'on peut en automatiser des bouts. Et donc, un assistant de preuve, c'est un système qui va permettre à quelqu'un d'un peu entraîné, ça dépend des assistants, de plutôt entraîné en moyenne, de conduire une preuve rigoureuse en machine, totalement rigoureuse, de A à Z, d'un vrai programme ou d'un vrai théorème de maths. Donc là, il y en a plusieurs sortes. Alors, il y a ceux qui sont fondés sur le calcul des prédicats simples, hein, quel que soit X positif, etc. Il y a eu un travail très remarquable de Abrial, qui a fait B et Even B. Il faut même savoir que le RERA et le Métro 14, mais surtout le RERA doit être le premier programme réellement en exploitation, réellement prouvé mathématiquement. Et ça, c'est il y a fort longtemps, le RERA, c'est pas tout jeune. Hein. Et pourquoi est-ce que ça a été prouvé mathématiquement ? Parce que la RATP avait échoué à le faire manuellement. Ils n'avaient jamais réussi à le faire marcher.
Et donc, il y a toute une histoire que nous racontera Abrial, qui va venir nous faire le dernier séminaire le 1er avril. Ce n'est pas une farce, il nous racontera un peu tout ça. Alors après, vous avez le calcul des prédicats d'ordre supérieur, quel que soit grand P, P prédicat, et ça c'est beaucoup plus puissant. Et HOL, qui est un successeur de LCF, par exemple, qui a été utilisé pour beaucoup de choses, je vais vous montrer. Et puis le calcul des constructions inductives en coque, la grande création du domaine dans ces dernières années, dont on va parler assez abondamment, et qui vient ici de France, donc d'équipes d'un peu partout, d'INRIA, d'Orsay, de beaucoup de gens. Et il y a énormément de gens qui travaillent là-dessus, on en parlera en grand. Et vous allez voir que ça fait d'autres choses. Alors, ce qui est intéressant, c'est que... Bon, je vais passer directement là. Il y a une histoire compliquée, mais les succès sont quand même sérieux. ACL2, ça a servi à montrer la correction de l'arithmétique flottante et fixe des processeurs AMD. Vous vous rappelez du bug du Pentium qui avait coûté 475 millions de dollars à Intel ? Il est là, lui. Il est là, le Pentium, il est là. C'est HOL Lite, John Harrison, qui a fait la preuve complète de l'arithmétique du Pentium. Les calculs sont prouvés. 470 millions de dollars le bug, on commence à moins discuter. Hein. RERA, Meteor, j'en ai parlé. PVS, à Stanford Research Institute, qui bosse avec la NASA beaucoup. L'interprétation abstraite pour Ariane, j'en ai parlé. C'est standard en automobile, c'est vendu par MathWorks. Et il y a deux autres systèmes qui sont utilisés beaucoup par Airbus et des tas d'autres gens. La preuve du Pentium, j'en ai parlé. Ça, c'est très intéressant, on le verra la prochaine fois. C'est la preuve d'un noyau de système d'exploitation, un micro-noyau. Et vous verrez que Dominique Bolignano nous parlera d'une preuve de micro-noyau industriel. Ça, c'est des grands théorèmes de maths. Des très grands théorèmes de maths, je ne vais pas insister là, j'en parlerai à la fois pour scène. Faye-Thompson, c'est un des théorèmes qui a fait peur aux mathématiciens, 250 pages de maths extrêmement lourdes, qui sont complètement en machine, par Georges Gontier et son équipe, j'en parlerai à la fois prochaine. Protocole de sécurité, j'en ai parlé, donc c'est sérieux tout ça. Hein. Alors, bon, je vais passer là-dessus, hein, parce que vous verrez la fois prochaine Georges Gontier et ses théorèmes et ses équipes. Alors, la dernière, c'est le modèle checking, donc Joseph Sifakis, un des auteurs. On va prendre des programmes temporels, comme conduire un ascenseur, et on va se dire comment on fait, qu'est-ce qu'on veut comme propriété. Eh bien, on va dire, par exemple, sûreté, l'ascenseur ne voyage jamais la porte ouverte, ça c'est utile. Vous pouvez le tester tant que vous voulez, l'ascenseur, vous ne saurez jamais. Hein. Donc, il faut le prouver. Alors, je peux vous dire, en SRL, une preuve comme ça, ça prend moins d'une seconde, hein, c'est facile. Alors vous verrez la logique temporelle ou d'autres choses qui servent à expliquer ça. On en parlera dans le 25 mars avec des prédicats. J'en ai déjà parlé de logique temporelle un peu ici. Et surtout, le modèle checking a un énorme avantage, c'est qu'il va générer des contre-exemples pour les propriétés fausses. Ça, c'est vraiment important parce que ça vous dit où sont les bugs. J'en donne un cas tout bête. J'étais en train de faire une démo de l'ascenseur SRL chez un vrai client. Et il me dit, mais les démos, c'est toutes les mêmes, on connaît, on est sûr que ça marche. Je voudrais une propriété qui n'est pas dans le système. Je lui dis, bah, par exemple, il me dit, bah, par exemple, qu'on monte pas, qu'on peut pas partir vers le haut quand on est au dernier étage. Ah, je lui dis, oui, bah, on va taper ça. Je tape la propriété et je fais retour chariot. Immédiatement, un contre-exemple me ressort qui dit, montez dans l'ascenseur, montez au dernier étage, descendez, allez sur le palier, appuyez sur le bouton monter, remontez dans l'ascenseur et vous partez vers le haut. Je dis, ah oui, j'ai juste oublié de dire qu'il n'y avait pas de bouton monté vers le haut au dernier étage. Comme quoi, l'environnement à décrire, c'est important. Bien. Autre chose, la vivacité. L'ascenseur va finir par ramasser les passagers. Hein ? Ah, ça, c'est plus dur. Hein ? Ça n'a pas l'air, mais c'est plus dur. Bon, on verra ça. Alors, ça s'écrit comme ça. On verra ça plus tard. Et c'est plus dur, puis ce n'est pas vraiment testable. Dans les tests, on ne sait jamais si l'ascenseur va finir par ramasser les passagers. Bon. Et la génération automatique de tests, comme le système est capable de fournir des contre-exemples à des propriétés fausses, il suffit de lui donner des propriétés fausses, du genre de ce que je disais tout à l'heure, pour qu'il nous fabrique des tests pour ces propriétés fausses. Alors on peut le faire sur des modèles abstraits de l'ascenseur et après tester des vrais ascenseurs. Ça se fait aussi. Donc il va donner une séquence réalisant ce qu'on a envie d'avoir. Il suffit de lui demander que ce soit faux. Bien. Alors là, les applications industrielles sont partout pour le modèle checking. La CAO de circuit, c'est complètement standard. Là, j'en ai parlé l'année dernière dans mes cours SOFIA, qui sont sur le web. C'est standard. Les protocoles, c'est standard. Les protocoles, les hommes ne comprennent pas ce qui se passe là-dedans, c'est beaucoup trop compliqué. Les algorithmes distribués, c'est pareil, il ne faut pas laisser ça aux ingénieurs moyens, c'est trop dur. Les réseaux sur puce, les logiciels critiques, le temps réel, etc.
c'est vraiment une application majeure. Il y a plusieurs méthodes là-dedans. Comme je ne suis pas en avance, je vais aller vite là-dessus. Les méthodes énumératives, les premières qui sont données, dans lesquelles ce sont des systèmes d'état fini, le plus souvent, on va énumérer tout. De façon maligne, hein, rassurez-vous. Donc voilà, les auteurs initiaux sont Amir Tnueli, qui a introduit les notions de logique temporelle, pas directement le modèle de checking. Kay et Sifakis à Grenoble et Clark et Emerson aux États-Unis, ben voilà, donc le prix Turing 2007. Et puis il y a d'autres modèles checkers qu'on verra, il y en a un peu partout qui servent vraiment. Et puis les modèles checkers symboliques où là on décide de faire autrement. Comme les espaces d'état sont trop grands, on va les représenter par des formules mathématiques, des formules de logique. Et il n'y a plus de rapport entre la taille de la formule et la taille de l'espace d'état. Et là, on va pouvoir passer éventuellement à des tailles extrêmement supérieures sur certains problèmes, pas sur tous. Et j'ai beaucoup utilisé ça, et je vous en parlerai, en industrie, avec les BDD de Bryant qui vont nous donner notre dernier cours de l'année. Et puis maintenant, il y a d'autres technologies beaucoup plus puissantes qui sont arrivées. Bien. Et la vérification de système temps réel, dont on parlera aussi. OK. Alors, je vois que tout le monde est fatigué. Donc, état et perspective, là, on repart au calme. Je vous avais montré en 2009 un diagramme comme ça qui disait que ben, l'informatique, c'est ça, l'informatique qu'on fait nous, formelle. Vous avez un noyau intuitif et mathématique qu'on va voir dans chacun de ces cas. Vous avez des langages et des machines. Alors, côté marron, la Terre, vous avez l'implémentation, l'optimisation et la vérification banale, le test, je dirais. Et là-haut, vous avez la pensée algorithmique, la conception et le raisonnement. Et nous, on va essentiellement s'occuper de tout ça pour que le reste marche. Hein, les machines, les implémentations, voilà. C'est là qu'on va passer. Les objectifs, c'est remplacer ou compléter le test par des preuves avec au moins le degré de confiance donné aux maths. De préférence, beaucoup plus. Automatiser les preuves, produire des contre-exemples, rendre la preuve accessible à des ingénieurs normaux, ce qui est la partie la plus dure. Hein ? Pas pour le modèle checking. Le modèle checking, on peut dire que c'est déjà fait. Assez largement dans les circuits, par exemple, ça dépend des domaines. Hein, ça dépend des domaines. Intégrer la preuve dans les flots de développement usuels, ce qui est l'étape d'après, et comprendre quand l'effort de preuve est justifié en pratique. Si vous voyez quelqu'un qui vous dit il faut prouver tous les programmes, il y a des chances qu'il ne reste pas longtemps dans le business. Test et preuve se complètent, le modèle checking est courant, les assistants de preuve montent vraiment en puissance. Ça, ce sera un message fort et on va voir pourquoi. Il reste beaucoup à faire. Bien, quoi vérifier? Alors ça, la conformité de l'action aux besoins, le rêve ultime. Alors là, j'y crois pas une seconde parce que personne ne sait ce que c'est que le besoin. Le besoin, ça vient du marketing dans les problèmes industriels, par exemple. Alors d'ici qu'on formalise le marketing, c'est pas fait. Donc on va être plus modeste. Vérification complète, cohérence des spécifications, conformité de la réalisation aux spécifications. Là, c'est la grande classe. Ça n'arrive pas souvent. C'est le cas de Comcert, par exemple, mais ça n'arrive pas souvent. C'est bien. Vérification d'équivalence ou de raffinement, j'en ai parlé. Pouvoir transformer les codes, les optimiser de façon complètement garantie. Vérification partielle de points clés, l'absence d'erreur, l'absence de crash, l'absence de les assertions locales, ça c'est extrêmement utile. C'est pas complet, mais c'est extrêmement utile et ça fonctionne pas mal. Okay. Quand l'utiliser? Alors là, il y a une seule loi, c'est le plus tôt possible. Plus vous essayez de mettre ça tard, moins ça va marcher. Hein. Plus tôt possible, pourquoi? Ben, dès la spécification. Si les spécifications sont informelles, il n'y a pas d'espoir de faire quoi que ce soit de formel avec. Hein. Dans tout le passage de la spécification à la réalisation, qui est un passage compliqué. Dans SRL, j'en ai parlé l'année dernière, les outils de vérification étaient utilisés dès le premier jour de la programmation. Et ça, c'est fait dans tous les endroits où on prend ces choses-là sérieusement, dès le premier jour. Et par les architectes de la programmation, même de l'architecture. Par les architectes, ils étaient utilisés, pas que par les programmeurs. Sinon, parce qu'il y a des contraintes industrielles qu'il ne faut pas on peut pas faire comme ça, il y a plein d'endroits où on ne peut pas faire ça, et ben, dès le début de la réalisation, il faut commencer par réécrire un grand bout de spécification, ce qui n'est vraiment pas le plus simple, et puis commencer le début du codage, dès le début du codage. Et alors, il y a le mode pompier, qui m'est arrivé plusieurs fois, où des gens appellent en disant « on a un crash énorme, il faut venir nous résoudre ça dans la semaine ». Et là, en moyenne, il faut être sérieux, c'est un peu sans espoir. Et il ne faut pas forcément accepter, pour ne pas détruire la discipline. Hein ?
Il y a des gens qui acceptent, disant on va y arriver, puis ils n'y arrivent pas, et ça, ça fait pas du bien, la discipline. OK. Donc voilà, donc j'arrête là. Je mets deux slides de papier historique, toujours aussi moderne. Si vous voulez commencer à lire des papiers, commencez là, ce sera moins compliqué, et de voir comment les gens avaient des idées fondamentales, alors même que l'informatique n'existait pas. Hein. C'était pas évident. C'était pas évident. Voilà, merci.